On va quitter un peu le soleil parisien et on va aller dans un lieu. Alors, si je vous dis coup de foudre, regard aguicheur, idylle voyageuse, vous me dites métro. Alors, on va faire comme si on n'avait rien entendu, hein, les romantiques, merci. Bon, et donc si je vous dis odeur nauséabonde, foule, voix, Robinson qui vous annonce. Mais aussi de votre compréhension. Là, vous répondez. Erin 13. Merci. Oui, donc, merci à tous de votre participation. Vous allez vous engouffrer dans le métro parisien. Mais je vous assure, bon, apparemment, les odeurs nauséabondes et les rencontres fulgurantes, apparemment, ni l'un ni l'autre ne vous parlent. Que vous prenez tous le taxi. Mais en tout cas, la demoiselle qui va arriver, elle prend le métro. Et elle adore ça, prendre le métro. Mais du coup, bon, d'ailleurs, puisqu'on a monsieur qui a des réponses à tout. Monsieur, réponse à tout, s'il vous plaît. Oui, vous. Maître qui a perdu. Viens, allez, viens. Allez, monsieur, allez, debout. On applaudit très fort, monsieur Littrez, s'il vous plaît. Mais pas tout de suite, mais pas ça. C'est quoi ton prénom? Clément. Bonjour Clément. Bonjour. On va applaudir très fort Clément, qui ne sait pas ce qui va lui arriver. C'est une croqueuse d'homme. Et donc du coup, le rêve de métro, c'est un véritable terrain de chasse de rêve. Et donc on a le plaisir ce soir d'avoir les demoiselles du cabaret qui nous envoient une de leurs fières représentantes, messieurs dames, dans le métro par Vanilla Spice. J'ai ressenti ce fait sur le terrain. Je te dis que le monde est dans les bras. Et ce garçon, tu m'as rencontré. Dans le métro, là c'est pas incroyable. Je suis tombée, le cul sur ses genoux. J'avais un sens impitoyable. Mais ce n'est pas méplaisant du tout. Ses premiers mots ont été les destins. Si vous plaît, dis-moi que mon mépris. Plutôt.
absolument. Sors de là.